n'hésitez pas à commencer à travailler, faire un petit site, des petits articles. Vous créez un site, vous écrivez. Même s'il n'y a personne qui vous lit, ça vous fait progresser. Ce matin, j'étais venu juste pour me renseigner. J'ai toujours voulu faire journalisme dans le sport, donc je me suis dit pourquoi pas. Et après, on m'avait contacté. J'avais pris rendez-vous à InfoSup à Toulouse et on m'avait conseillé de faire la matinale ici. Et donc voilà, je suis là aujourd'hui. Mon rôle, pour moi, c'est une première déjà. Donc c'est de présenter un petit peu mon métier. C'est très différent, très compliqué. Parce qu'on a plus de l'habitude de parler d'informations, etc. Là, c'est présenter un petit peu son métier. Bon, moi, j'ai accepté parce que je trouve ça génial en fait. Et je commence à aimer ce côté. On dévoile un petit peu ce que l'on fait. Dans notre métier de journaliste radio, je parle. Et voilà, ce rôle-là, je le trouve génial. Et on rencontre des jeunes, des parents qui se posent plein de questions sur le métier de journaliste. Et c'est vrai que c'est bien de leur mettre un petit peu l'accent et le doigt sur ce métier-là, qui n'est pas un métier facile. Je suis venue à cette matinale pour découvrir un peu les métiers de la communication, parce que je ne savais pas trop. Enfin, je sais que c'est un domaine qui me plaît. Je suis plus intéressée par le domaine de la publicité et de l'événementiel. Mais après, je ne sais pas trop encore. Vers où me spécialiser. J'ai parlé avec plusieurs, c'était marrant, c'était les filles en plus, la plupart. Hein. Elles savaient déjà, je veux faire de l'événementiel, mais j'aime bien le créatif. Donc on repère déjà la fibre, il faut une fibre en fait. On n'arrive pas dans la com par obligation en fait. Ils m'ont renseigné sur leur métier, ils m'ont dit qu'il fallait être déterminé. Ils m'ont donné les écoles qu'ils avaient fait, leur parcours. Ça a été vraiment intéressant. Et ils aiment vraiment leur métier. Ils m'ont fait comprendre qu'on ne pouvait pas faire ce métier si on n'aimait pas le journalisme. C'était très intéressant. J'ai rencontré plein de professionnels sur plein de métiers différents, mais qui ont tous un peu un point en commun. Et oui, j'ai retenu quand même deux domaines qui me plaisent. Donc c'est plutôt l'organisation et la création. Mais après, voilà, faut que je continue de me renseigner et que je trouve le métier qui me plaît. Cette matinée a encore été riche de rencontres et d'échanges entre ces jeunes lycéens et les professionnels qui ont joué le jeu, qui sont venus leur présenter leur métier. Donc un beau succès qui nous motive pour préparer la prochaine édition.